compte plus les manifestations pour l'indépendance, mais celle-ci ne ressemble à aucune autre. Les Catalans dénoncent certes la tutelle de Madrid, mais s'en prennent aussi aux élus indépendantistes, ceux pour qui ils ont voté, car ils n'ont toujours pas formé de gouvernement depuis les élections du mois de décembre. Les Catalans en ont assez, je vous propose de les écouter. Nous rappelons à nos politiques que nous leur avons donné mandat pour une république, qu'ils tombent d'accord et en avant. Je ne sais pas comment cela va finir, mais les choses évoluent trop lentement. On manifeste, on fait ce qu'on peut, mais ça n'évolue pas. Il n'est pas simple pour les élus indépendantistes qui vont de la gauche anticapitaliste au centre droit de tomber d'accord sur un candidat. Et lorsqu'ils y arrivent, eh bien le gouvernement ou la justice espagnole bloquent. Demain devait avoir lieu l'investiture du député Jordi Sanchez au Parlement catalan. Jordi Sanchez actuellement en prison préventive pour avoir organisé des manifestations indépendantistes. Eh bien ce député n'a pas obtenu l'autorisation de se rendre au Parlement. Les avocats vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme dès demain. Une Europe qui jusqu'à présent et depuis le début de la crise en Catalogne a toujours regardé ailleurs.